Salut à tous et à toutes, c'est Arigine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va intéresser presque beaucoup de personnes hein, de la communauté WWE Supercard. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de la saison 4 et des premiers screens qui ont été dévoilés. Donc moi, je remercie JojoWWE qui m'a envoyé ces screens, voilà, parce que je les avais pas vus, et il me les a envoyés, donc je te remercie, gros, et grosse dédicace à toi. Donc c'est parti, premier screen, on peut voir, donc là, Sasha Banks, SummerSlam 17, hein, tout ce qui est anormal, hein, voilà, en saison 3 et tout, mais on peut voir que derrière il y a le logo Elimination Chamber. Donc apparemment il y aurait plusieurs arènes, enfin si j'ai bien compris hein, parce que je me suis pas trop renseigné, j'ai juste vu les screens, mais il y aurait plusieurs arènes, donc ça changera, ça sera pas que Raw tout le temps, ou voilà, donc ça changera. Donc c'est un petit détail qui peut être fun, c'est pas le plus grand détail de cette vidéo, mais ça peut être fun, et puis voilà, c'est un petit détail. Ensuite, deuxième screen, bon là c'est le logo du King of the Ring, parce que le King of the Ring va changer. Voilà, va changer apparemment à la saison 4. Il va beaucoup changer même. Vous allez voir. Moi, j'ai pas trop compris hein, quand j'ai vu le screen. Bon, ce qu'on voit, enfin, ce qu'on va voir dans le screen, c'est qu'il a beaucoup changé. Mais j'ai pas trop compris comment ça va jouer et tout. Je sais pas si ça va être toujours pareil ou pas. Donc, on verra ça par la suite et quand tu auras la saison 4 et tout. Donc, voilà. Donc, déjà aussi, le menu du King of the Ring va changer. Hein, donc, voilà, là, vous voyez le logo du King of the Ring. Mais voilà, il va changer. Le menu, en fait, si vous voulez, enfin, voilà, ça va changer. Vous allez voir que ça va changer. Enfin, putain, j'arrête pas de me répéter tout à l'heure. Non, bref, en tout cas, vous allez voir que le King of the Ring va changer dans quelques secondes. Parce que je vais vous mettre le screen dans quelques secondes, simplement. Attention. Vous allez voir le screen du King of the Ring. Attention, 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 mesdames et messieurs. Attention, et boum! Voilà, ça, c'est un screen qui a été dévoilé du King of the Ring. Alors, voilà. Je sais pas trop comment on va, enfin, comment on fait et tout, comment on va y jouer. Mais ça a l'air bizarre. Déjà, on peut voir le 250, enfin 25, enfin 205 live. On peut voir NXT, SmackDown et Raw. Donc, je savais pas du tout comment ça va jouer. Je sais pas du tout. Franchement, là, les gars, je vous le dis, c'est le screen. Je crois que j'ai rien compris. Je suis perdu. Je suis vraiment perdu dans ce screen. Enfin, c'est bizarre. Enfin, bref. Bref, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au screen des cartes. Enfin, des cartes. Enfin, il y en a quelques-unes qui ont été dévoilées. Donc on va commencer avec la carte Titan, je crois, ou Beast. Non, je sais plus. Ouais, voilà, c'est la carte Beast avec Finn Bálor dessus. Donc voilà, donc elle est stylée. Je sais pas si c'est les vrais screens et tout, mais je crois que c'est les vrais screens, hein, je crois, hein, je suis pas sûr. Mais voilà, on peut voir Finn Bálor en Beast. Voilà, donc qui est hyper badass. Moi, je trouve qu'elle est hyper stylée, la carte. Et par contre, je sais, dites-moi dans les commentaires quel est l'ordre en fait. C'est quoi la meilleure et c'est quoi la moins bien? C'est quoi la moins puissante? Dites-le-moi si vous le savez, parce que moi je suis toujours perdu avec ça. Donc dites-moi quelle est la meilleure et quelle est la plus nulle, genre entre Beast, Titan et Monster. Ouais, c'est Monster. Moi en tout cas, à ce que j'ai vu déjà les screens un peu des images en fait, enfin des cartes, comment ils étaient hein, faites et tout. Je trouve, pour moi, mes préférés, je vous le dis, hein, mes préférés, c'est les Titans et enfin, Titan et Monster, c'est mes cartes préférées. La Beast, j'aime pas trop de base, mais là, c'est vrai qu'avec le Finn Bálor, ça rend vraiment stylé. Et j'adore. Franchement, j'adore avec le Finn Bálor. Et de toute façon, là, on va voir tout de suite la Monster qui. Enfin, on dirait que je bois la boisson, frère. Non, la Monster avec AJ Styles, regarde, attention. Et boum, AJ Styles. La carte Monster, elle est hyper stylée. Et par contre, le PNG d'AJ Styles dessus, je sais pas, j'ai pas trop accroché, mais franchement, la carte, elle est magnifique. Et je vous le dis, de toute façon, Monster, moi, je le trouve hyper stylé. Enfin, je trouve hyper stylé, pardon, la carte. Donc, ouais. Donc, de toute façon, comme je viens de vous le dire juste avant, hein, Titan et Monster, moi, c'est mes deux trucs préférés, même si c'est pas les meilleurs niveaux. Enfin, Monster, je crois que c'est le meilleur niveau, je crois. Je sais plus du tout. Même si en tout cas c'est pas dans l'ordre des meilleurs niveaux et tout, je vous le dis, en tout cas comment la carte elle est faite, je trouve hyper stylée. Et franchement, je vous le dis, hein, je suis hyper fan de la carte Monster et de la carte Titan qui va arriver. Enfin, peut-être qu'il y en a certains qui vont pas aimer la carte Titan, mais enfin pour ceux qui n'ont pas vu encore les screens, mais moi la carte Titan, je l'aime. Alors vous allez dire, oui mais c'est normal. Enfin si vous avez vu les screens des cartes, vous allez dire oui mais c'est normal, t'as vu c'est qui sur la carte Titan, gnagnagna. Non, non, je dis pas ça pour ça, parce que il y avait déjà des cartes Titan qui avaient été dévoilées, c'est mais genre que le fond, que le background on va dire, et c'était hyper stylé. Mais vous allez voir que la carte Titan qui a été dévoilée, vous allez voir dans quelques secondes. Regardez c'était qui, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Regardez, attention, attention, carte Titan, attention, et boum! Alexa Bliss! Non, la carte Titan, franchement, je la trouve hyper stylée. Pas parce qu'il y a Alexa Bliss, nanana, mais parce que je sais pas. En fait, j'aime bien le truc. Genre derrière, il y a des trucs genre un peu anciens, genre des boulons, tu sais, je sais plus comment on appelle ça. Des boulons, je sais plus comment on appelle ça. Bref, mais je la trouve hyper stylée.
Franchement, je vous le dis, je la kiffe. Franchement, je la kiffe. Je kiffe la carte. Là, je sais, on va dire, ouais, c'est... Non, vous enlevez Alexia Bliss, même le background de la carte, je l'aime bien. Je kiffe. Vous pouvez demander à Tixo, hein. Tixo, quand je lui avais envoyé les screens, pas ceux-là, mais les autres, où il n'y avait que le background de la carte, il me disait que justement, ses préférés, c'était Monster et Titan, je crois, et qu'il n'aimait pas trop la beast. Et bah, moi, j'avais dit exactement pareil, en fait. On a les mêmes avis sur les cartes. Donc voilà, moi je trouve que franchement Titan et Monster c'est hyper stylé. Après Beast, moi je suis moins fan. De toute façon, vous me direz dans vos avis dans les commentaires, dites-moi quelle est la carte la plus belle pour vous. Voilà, dites-moi quelle est la carte la plus belle pour vous des trois cartes que je vous ai montrées. Et de toute façon, vous me le direz. Et puis voilà, de toute façon, là vous allez voir aussi une image. Donc là, c'est une image qui a été faite avec trois cartes, justement une Titan, une Monster et. Une beast, regarde attention, et boum, voilà. Là, on voit Kevin Owens en beast, pardon. Moi, je la trouve dégueulasse, la carte perso, c'est mon avis. Après, voilà, moi, je la trouve dégueulasse. Il y a Finn Balor en titan, elle est magnifique, la carte. Et il y a Sheamus en monster qui est magnifique aussi. Alors, je dis pas ça, enfin, je dis que la beast Kevin Owens est dégueulasse, pas parce que je n'aime pas Kevin Owens, attention. Parce que Kevin Owens, comme vous le savez, je l'aime plus trop maintenant. Avant, je l'aimais bien, maintenant, je l'aime pas trop. Mais. La carte, il faut l'avouer, elle est dégueulasse. Et le PNJ, je l'aime pas du tout dessus. Après, Finn Balor, le PNJ, il est magnifique en mode démon. En mode normal, mais en mode démon. Enfin, franchement, enfin, en mode démon, pardon. Et en plus, c'est Titan, le background Titan qui est magnifique. Et Sheamus qui est hyper badass. Et voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi de toute façon tous vos avis dans les commentaires pour cette saison 4. Dites-moi aussi, du coup, quelle est la carte la plus forte. Donc, je veux dire, genre, quel est le niveau le plus fort entre Monster, Titan et. Monster, Titan et Beast, voilà. Dites-moi qui est la plus forte parce que je sais pas, je suis perdu, moi je sais plus c'est laquelle. On me l'avait déjà dit, je crois, ou je sais même pas si on me l'avait dit, je sais même pas, je sais même pas, mais je sais pas du tout c'est qui la plus forte et tout, enfin bref. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires et bref, nous on va cesser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, donner surtout vos avis dans les commentaires s'il vous plaît. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde, c'était Raid du niveau pour jouer et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.